Donc Simon Badoir, donc je suis responsable produit pour les ensileuses chez Classe France. Donc aujourd'hui, on est devant notre 960 TerraTrak, donc la machine qui a obtenu une médaille d'or sur les CIMA Innovation Awards. Donc le principe de cette machine, donc c'est la base d'une Jaguar 900 qu'on connaît, type 498, sur laquelle on est venu installer un train de chenille TerraTrak génération 3. Qu'on peut voir ici, donc train de chenille qui est en tout point similaire à ce qu'on installe sur nos moissonneuses batteuses élection depuis maintenant plus de 20 ans. Donc on a une vraie expérience sur les chenilles à ce niveau-là. Et donc même principe que sur une batteuse, hein, on a l'avantage d'avoir un train de chenille qui est totalement suspendu. Donc ça c'est la première innovation, hein, avoir une ensileuse à chenille d'usine et avec un train de chenille suspendu pour gagner aussi niveau confort. Train de chenille suspendu, comme je le disais, donc on a, comme sur tout le système TerraTrak, la roue meneuse à l'arrière, la roue menée à l'avant, et donc la suspension qui va être au niveau des mid-rollers. C'est là que se cache la deuxième innovation, à savoir que cette machine a un système de gestion intelligente des chenilles. Quand on arrive en fourrière, donc passé un certain angle de braquage, en fait, on vient relever l'avant de la chenille, ce qui fait qu'on va diminuer significativement l'effet de ripage, quoi. Ça va être intéressant, notamment pour la culture de l'herbe. Afin de ne pas détériorer la culture en place, en fait, on vient relever la moitié de la chenille pour faire ces demi-tours, les grandes courbes dans la parcelle, et pour éviter de détériorer la culture en place et pour pouvoir engager sereinement une deuxième ou une troisième coupe derrière. Donc voilà, on voit que la machine, elle est un peu plus imposante qu'une machine à roue. Forcément, on a dû la rallonger d'un mètre pour pouvoir loger le train de chenille. Par contre, au niveau maniabilité, avec le système que je viens de décrire, donc de relevage de la chenille, on reste sur des maniabilités intéressantes. Donc voilà pour les grandes innovations et ce qui fait de cette machine une machine exclusive sur le marché. Et donc pour le reste, voilà une machine qu'on connaît et qu'on maîtrise, la Jaguar 900, donc avec ses grands avantages, donc le rotor VMAX, première chose. Notre gamme d'éclateurs MCC et tous les automatismes de conduite qu'on connaît, type autofill, cruise pilote, j'en passe. Et donc, dernière chose intéressante sur cette machine, le gabarit. Donc, on a en chenille de 635 de largeur. Et donc, 635 qui fait une largeur hors tout de la machine de 3 mètres. On peut le voir ici, on a un pick-up de 3 mètres. Et on voit en fait que le gabarit de la machine est totalement en ligne avec le pick-up. Donc une machine qui sera aussi compacte sur la route pour les déplacements et pour pouvoir se déplacer sereinement. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés sur cette machine.